Talangay Whisper. Ah, au moins j'ai été présentateur d'une saison. C'est quand même bien. Et ne t'avise plus à toucher une seule fois des vitrines de ta vie, Whisper. Alors comme ça, tu as été éliminé lors du troisième épisode? Ouais. Rah, loser. Non mais toi, ça va pas bien, ouais. Et en plus, toi, tu seras pas mieux quand tu vas participer à la prochaine saison. Ouais, je suis tellement clash. Non, tu t'es fait victimiser par un putain d'arco. Non, n'importe quoi. Vous pouvez la fermer, bande de nazes, alors que je vous défonce. Non, t'aimes pas, cap de nous défoncer vu que tu es. Ah ha, bien joué, Blo. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah oh. Non, mais. Eh, hey, tiens, salut, je t'avais jamais vu. Grand mal. Je n'ai jamais participé à des fiestres. Tiens, salut, Sapero. Ok. Non, il ne sait même pas parler. Tout ce qu'il fait, c'est d'avoir sa voix d'attardé. Ah, d'accord. Salut. T'es qui, toi? Concomba. Je suis le meilleur Pokémon du monde. Je suis même pas capable de bouger. Ok. Hé, c'était sérieux, là? Franchement, c'est génial que tu aies gagné. Mais je me demande, où est-ce qu'ils sont, les Digimon et les Yokai? Ah, vu qu'ils sont... Bah, ils se sont très mal pris à ce qu'un Pokémon soit gagnant, qu'ils ont l'idée de se casser. Même Agumon, comme Asan et... Ah. Pourtant, j'ai fait bras ouverts à les inviter, mais ils n'ont pas voulu. Ah, c'est vraiment dommage. Ils sont des jaloux. Ne te moque pas des Digimon, mon très cher Galvaor. Ça se fait pas de moquer les autres. Parle pour toi, celui qui a moqué de moi. Jamais fait ça! Oh, vous pouvez arrêter de vous disputer, l'important c'est de faire la fête dans l'île loufoque. Alors, Brandibou, apparemment tu dois être un Pokémon d'Alola. Ouh, oui, mon gars. Est-ce que tu es gay? Non, c'est pas parce que j'ai ce genre de voix que forcément je sois gay. Arrêtez de moquer de moi, je vous en supplie. J'aime bien. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Bref, voilà. Tout le monde s'amuse. Ma femme a bien de quoi faire la fête. Ça, tu l'as dit, mon très cher. Psychoquac. Bah, je ne fais que dire la vérité. Maintenant que j'y pense, il est où Whisper? Non, ça, on va pas se poser la question, tout ça pour un Whisper. L'important, c'est de faire la fête. Ah ouais? Quoi? Ça te pose... Bande de connards! Vous m'avez fait viewer! Je vais vous tous vous défoncer, bande de nains! Ah, c'est pas vrai! Whisper! Qu'est-ce que je t'avais dit? Plus jamais tu vas retoucher à Defenestrel de ta vie! Je ne vais pas retoucher à Defenestrel, je vais reprendre mon île! Mon île! Ce n'est plus ton île, c'est mon île maintenant. Donc, comme je l'avais dit, putain de maquette de merde. Mais enfin bref, toi, Marisson, tu vas me payer pour ce que tu m'as fait. Ah, je t'en supplie. De plus, on est beaucoup et toi, tu n'es que tout seul. Là, tu te trompes. Hé, hey, mes esclaves, venez ici. Oh, oh, j'ai trouvé un cheval de galop. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid parce que je suis un type haut. Je vais te faire mal. Tu vas payer pour ce que tu nous as fait, Whisper. Ah ah ah, ouais, on est de retour, mais en force. Et dégage, sale feu à victime. Oh, what? Mais pourquoi vous vous êtes mis de l'autre côté? Bon, je l'avais évident. On est des méchants, imbéciles. Ouais. Alors, Marisson, qu'est-ce que ça te fait d'être gagnant des défis extrêmes? Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'être éliminé?
Rien du tout, à part la vengeance. Bon, enfin bref, je vais tous vous capturer, mes esclaves. Et ce sera mon île. Allez, rassemblement. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Et maintenant, dans la cage. Non. Mais d'où tu sors, toi? Ah, c'est maintenant que tout apparaît, hein. Pourquoi est-ce qu'il était absenté de l'épisode? Parce qu'il a peur de nous, je te rappelle. Va rejoindre les autres, esclaves. Et maintenant, dans la cage. Alors, vous ouvrez moi votre grande gueule, hein. Tu vas payer pour ce que tu nous as fait, Whisper. Ouais. À notre force, on va vous soulever cette panier. Oh, les pauvres, vous êtes pauvres, vous êtes pauvres. Va, m'en fous. Vous avez tout ce que vous méritez, bande de cons. Hein, n'est-ce pas, Marisson? What? Oh non, mes amis, est-ce que vous allez bien? Sauf toi, tant qu'il est encore temps. Mais c'est juste que Whisper avec... Il sent plus que 5... Non, tu es tout seul. Et d'autant plus que on a Cradopo de niveau poison, Voacéry de niveau poison, Funexir de niveau poison, et Pandesclève de niveau attardé. C'est déjà on dit type, pas niveau, je m'en fous. Bon, enfin bref, et tu n'as pas vu tout ça? J'ai même le pouvoir absolu. Tu vois, maintenant je suis le plus fort. T'avais qu'à pas me balancer là-bas. Maintenant mon île s'appellera l'île W. S'appelle l'île Whisperland. Ouais, pourquoi pas? Tais-toi! Vous êtes tous mes esclaves! Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous vous échangez, parce que le fait que vous n'avez plus besoin de Bandinian, parce que Bandinian, c'est un connard. Ça, c'est vrai. Tu vois? Même pour toi, tu l'avoues! Alors... Mais non! Putain! Vous auriez pu réagir plus tôt, bande de cons! Plutôt que faire passer des camions inutiles! On n'est pas des caméos inutiles. Et pour te prouver, je vais chasser ce marisson. Et vous allez devoir de mettre mes prisonniers dans le prison. Vous avez compris? Prisonnier, prison. Ce n'est même pas un jeu de mots. Tais-toi! Oh mon dieu! Il y a le toxique. Mon pauvre main, tu t'en diras pas, sale marisson de merde. C'est ce qu'on va voir. Oh. Il s'enfuit toujours. Voracéry, attaque-le. Voracéry. Ok, Pandesplec, attaque-le. Ok. Non, je vais pas oser faire ça. La cabine est tout nette. Ah, c'est vraiment trop dégueulasse. Marisson, où es-tu? Je vais finir par le regretter, mais j'ai pas le choix. Où es-tu, Marisson? Il est caché dans les toilettes. Bye bye, Marisson. Hasta la vista, baby Pokémon. Mission accomplie. J'ai réussi à faire sortir Marisson de l'île. What? Mais pourquoi t'as fait ça, couillon? C'est pas vrai, il va falloir que je les occupe. Oh, c'est pas vrai, putain de merde. Vous êtes tous des débiles. Bah quoi? Bande d'espiègles, je t'en charge de récupérer Marisson. Et pourquoi tu le fais pas par toi-même? Ça fait penser à... Tais-toi! C'est moi le chef. Pendant ce temps, moi, je vais construire cette île afin qu'il soit beaucoup plus satanique et beaucoup plus sombre que l'était qu'avant. Afin de le rendre classe, bien évidemment, parce qu'il suffit que le rendre l'île beaucoup plus classe qu'il était qu'avant. Alors, mon très cher Pandespiègle, va chercher Marisson.
Tu vas aller dans les toilettes, comme j'avais remarqué. Alors pourquoi tu n'as pas fait ça tout seul? Tais-toi. Et quant à vous deux, vous faites vos belles. Ouais, parce que je suis une fille. Vous faites vos belles. Et quant à vous tous, vous allez devoir regretter. Oh non, Marisol. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais, je vais utiliser ma lance-flamme. Tais-toi, sale... Attends. Feu à victime, ne me dis pas que ta queue est enflammée, oui. Putain de salamèche de merde! Je vais te défoncer! J'aime voir se torturer, salamèche. Ah, sortir de l'égout avec tout cette sous. Oh, mais où suis-je maintenant? Où suis-je? Eh, y a quelqu'un? Je me sens faible. Maintenant que Marisol est sorti du bras de ce body whisper, que va-t-il arriver? Oui, je suis le narrateur et on va se découvrir dans le prochain épisode afin de montrer mon vrai visage.